Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode un peu spécial d'Easy French. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez que nous avons commencé nos vidéos grâce à l'aide de Carrie et Yanush d'Easy German. Aujourd'hui, nous voulons leur faire un petit clin d'œil. Nous sommes à côté de la gare de l'Est et nous allons demander aux passants quelles sont pour eux les principales différences qu'il existe entre les Français et les Allemands. On y va ? Savez-vous quelles sont les différences entre les Allemands et les Français ? Ah non, mais la question piège, quoi. Quelles sont les différences entre les Français et les Allemands ? Oula, à quel niveau de politique correcte il faut être ? Quelles sont les différences entre les Français et les Allemands ? Différences entre les Français et les Allemands ? On va dire que les Français aiment un peu moins les règles que les Allemands. Voilà, ils les respectent un peu moins. Peut-être un sens du civisme qui est un peu plus développé chez nos voisins, voilà. Okay. Mais ils savent pas manger, ils boivent moins bien que nous. Voilà. La rigueur, ouais. La rigidité, je pense. Voilà. Les Allemands sont plus rigides que nous ? Bah ouais, c'est des gens carrés, quoi. En fait, quand on va en Allemagne, je peux parler pendant 7 heures, je vous le dis tout de suite. Quand on va en Allemagne, on se rend compte qu'on est latin. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples à nous raconter ? Ça nous intéresse. Je travaille dans le cinéma, j'ai fait un film en Allemagne. Et nous, notre instinct, c'est d'être des punks et de foutre le bordel. Et eux, c'est d'être hyper carrés. Voilà. Et après, je pense qu'il y a quand même des grands relents racistes de notre part qui font aussi qu'on a envie de foutre le bordel très vite. Voilà. Je sais pas du tout si c'est exploitable ce que je raconte, mais voilà. C'est hyper intéressant. En fait, moi j'ai fait allemand en première langue, donc je vais te raconter une histoire. Je me suis retrouvée dans un petit village qui s'appelle Kusterdingen, parce que j'avais ma correspondante qui habitait là-bas. Et le premier truc que je peux te dire, c'est que le matin, le jus d'orange, il est pétillant. Donc ça a été un gros choc. Voilà, donc tu manges du salé le matin. C'est cool, hein. Saucisse, fromage et jus d'orange pétillant. Il n'y a pas d'eau. Donc carrément que des trucs très sucrés. Et alors ce que j'avais trouvé juste génial, c'est qu'en fait ils ont cours que le matin. Et l'après-midi c'est activité artistique, peinture, nature, etc. Et je m'étais dit, ah c'est génial, j'ai trop envie d'aller à l'école là-bas. Oh là, oh là, là. Là déjà, tu parles avec un Belge, alors là si on va là-dessus, alors ça va, on va chier. Entre les Français et les Allemands. Les Allemands, peu d'humour. Un peu trop dans le côté genre tout doit être calé, propre, précis, juste, tu traverses pas la rue quand c'est rouge. Les Français c'est tout le contraire. Aucune organisation, enfin c'est pas vrai. Moins d'organisation, plus latin, plus émotif, plus vivant aussi. Et en même temps un petit côté négatif. Oui. Enfin, en tant que Belge, petit Belge flamand, ça fait 20 ans que j'habite à Paris, et je m'habitue toujours pas. C'est-à-dire, je dois avoir un petit côté allemand, quelque part dans la façon de gérer ma vie. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est le côté négatif et le côté individualiste aussi des Français. Négatif, vous voulez dire pessimiste ? Pessimiste, râleur, critique. Alors moi je trouve qu'ils sont un petit peu plus stricts. Alors j'ai fréquenté deux Allemands dans la vie. Et alors il y en a un qui n'était pas tout à fait, qui n'était pas trop strict, même trop foufou. Mais sinon en règle générale par rapport à ce que j'ai vu de mon ami et de ses amis, ils sont quand même assez carrés. Nous on a tendance à être un petit peu plus folichons sur certains points. Après... Ils sont plus simples sur certaines choses au niveau, tu sais, rien qu'au niveau des repas ou des choses comme ça. Moi je trouve que c'est moins... élaboré ? Ouais. Ils aiment la bière, ils aiment la saucisse. Ah mais tu vois, au niveau des repas, c'est moins bombance que nous. Je trouve que c'est plus minimaliste. Ils sont plus minimalistes, je trouve. Ah peut-être. Mais c'est une question intéressante parce qu'on a une histoire commune mouvementée, faite de conflits, de... Moi par exemple, quand j'avais 14 ans, en Angleterre, j'ai eu mes premières relations intimes avec une Allemande. Bon, c'est pas allé très loin, j'avais 14 ans, mais... Et c'était comme si j'étais... Comment dire ? Il y avait un truc entre elle et moi qui était voilà, dicté par je sais pas quoi, il fallait qu'on se réconcilie quoi. Il fallait qu'on repare l'histoire et donc on a joué à touche pipi.
les Allemands sont plus ordonnés, plus respectueux et plus stricts. Voilà, c'est la différence que j'ai. Les Français, un peu plus, enfin, non, pas plus bordéliques, mais ils sont moins respectueux. Voilà. Les Allemands, ils sont un peu plus sérieux, un peu plus. Mais moi, j'avais un correspondant allemand, et c'est lui, c'était beaucoup plus strict, sérieux, chaque chose à son temps, faire les choses bien. Alors que les Français, c'est un peu plus. Il faut d'abord penser à soi et ensuite penser à ce qu'on doit faire. Et donc, ouais, ils sont peut-être un peu plus sacrificiels dans leur vision des choses, et nous, on est plus. Genre, on pense d'abord à nous, peut-être. Okay. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus carrés que nous et qu'ils ont beaucoup plus de règles que nous. Ok. Ouais. Vous êtes déjà allé en Allemagne ? Ouais, à Berlin et à Rennes. D'accord. Il y a des choses qui vous ont marqué ? Oui, à la techno. C'est vrai qu'ils sont vraiment techno, ils aiment bien la nuit. Et il y avait aussi le fait que Berlin, c'est une ville qui est un peu raciste, je trouve. Après, à Rennes, ça allait, mais Berlin, c'était un peu différent quand... En tant que noir, t'y vas, c'est un peu différent, mais après les gens sont très gentils, mais tu sens qu'il y a une différence, quoi. Donc, voilà. Du coup, vous êtes déjà allé en Allemagne ? Oui. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a frappé ? C'est pas cher. Ouais. Ah non, mais c'est vrai, hein. Après, moi, j'étais en Bavière et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi peu cher pour de la bonne qualité. Les boulangeries, tout ça, c'est la vie un peu, hein. Vous êtes déjà allé en Allemagne ? Ah oui, je suis allé plusieurs fois, ouais. J'ai un frère qui habitait en Allemagne. Où ça ? Du côté d'Heidelberg. D'accord. Voilà. C'est hyper joli. C'est très joli, ouais. C'est très joli, c'est très sympa, on peut bien faire la fête, mais on bouffe pas bien. Voilà. En Berlin et en Cologne. Cologne ? En Cologne, oui, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez peut-être enviées aux Allemands, ou vous vous êtes dit ce serait bien que ce soit un peu pareil en France des fois ? Oui, j'aimerais bien que les Français soient plus, je suis désolée, je me permets, plus respectueux. Voilà, genre, en fait, c'est très simple pour avoir le respect avec des autres, c'est garder bien la distance. Voilà, c'est une chose que j'aime pas. Ça veut pas dire que t'as le droit de faire certaines choses. J'ai le droit de te regarder, voilà, et après tu regardes. Et t'as le droit de se défendre aussi, non, c'est pas ça. C'est la liberté individuelle et la distance entre les autres, c'est pas la même chose. Vous êtes déjà allé en Allemagne ? Ouais, je suis allé à Berlin, je suis allé à Karlsruhe, je suis allé à Munich, je suis allé à Dresde. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous enviez à l'Allemagne ou aux Allemands ? Leur PIB ? Non. Non, en vrai, c'est vrai que il y a un style architectural allemand qui est vraiment différent du style français. Moi, j'étais allé à Dresde, du coup, et j'étais vraiment, enfin, je trouvais cette ville vraiment magnifique, avec des beaux bâtiments noirs, des belles couleurs cuivrées, qu'on peut moins retrouver en France, je pense, sauf si on va peut-être à Lille, mais je suis pas trop lillois, donc. Okay. Mais voilà. Après, c'est vrai que les saucisses sont bonnes, certaines. Et est-ce qu'il y a des choses que vous enviez peut-être aux Allemands quand vous avez visité l'Allemagne, ou vous êtes dit ça, ce serait bien que ce soit pareil en France ? Bah, ils ont quand même la capacité, enfin ils ont mis en place, par exemple il n'y a pas de limitation de vitesse en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils le font tout seuls. Ça veut dire qu'ils ont suffisamment conscience des autres pour avoir mis en place tout seul qu'en fait il fallait se limiter et qu'en respectant les autres ça marchait. Ça c'est pas mal quand même. Pas mal. Ouais. Vous êtes déjà allé en Allemagne ? Oui. Où ça ? Berlin surtout, Berlin, mais après voilà, Düsseldorf, Köln, un peu partout. Mais j'avoue que j'aime pas les Allemands. C'est un peu difficile. En fait, non, en fait, enfin, on peut pas généraliser. Non, bien sûr. Hein. Mais comme on dit qu'un Américain il est bête et qu'un Français il est chauvin et qu'un Allemand il est froid et distant, c'est un peu ça en fait quand même. Merci d'avoir regardé cet épisode, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur la vidéo d'Easy German où ils ont fait exactement la même chose que nous, mais en Allemagne. Comme vous avez pu le constater, il subsiste encore beaucoup de clichés sur les Allemands, mais les Français aiment quand même beaucoup leurs voisins allemands et ils ont même une pointe d'admiration pour eux. N'hésitez pas vous aussi à nous écrire en commentaire quelles sont les relations que vous entretenez avec vos pays voisins. On a hâte d'en discuter avec vous. À bientôt.